Bonjour, je suis Nicolas Giraudeau, chirurgien-dentiste au CHU de Montpellier, à l'Université de Montpellier. Je suis le coordonnateur du programme Montpellier Santé Orale. Toutes ces actions que le CHU notamment et l'université mènent avec le groupe Adage rentrent dans un programme beaucoup plus vaste qui s'appelle Montpellier Santé Orale. Le programme de Montpellier Santé Orale et l'objectif de Montpellier Santé Orale est d'améliorer la littératie en santé orale de la population montpelliéraine. La littératie est le terme utilisé pour définir les connaissances de base nécessaires à tout un chacun pour mieux être acteur de son projet de santé. Ce programme santé orale se veut interprofessionnel. La santé orale est sensibilisée, est une action dont plusieurs professionnels de santé participent, les chirurgiens-dentistes bien évidemment, mais aussi les orthophonistes, les kinés, les infirmiers et infirmières, les médecins, généralistes ou spécialistes, les sages-femmes aussi dans différentes conditions. L'objectif est vraiment de mener tous ensemble un certain nombre d'actions coordonnées pour avoir un impact plus important. Un des axes majeurs qui va être déployé au sein de Montpellier Santé Orale est la première fois au monde où le programme M Oral Health de l'OMS va être implémenté. Ce programme M Oral Health a pour objectif d'utiliser les technologies digitales pour améliorer la littératie et la prévention en santé orale. Avec ce programme Montpellier Santé Orale, la ville et la métropole de Montpellier s'engagent de façon très ambitieuse et avec une ambition internationale sur cette thématique de la santé orale, en partenariat avec le CHU de Montpellier et l'Université de Montpellier, pour faire de Montpellier une place forte de la santé orale et plus spécifiquement de la santé orale digitale.